Alba. Aujourd'hui, on est à London, Houston. Je vais vous faire des vidéos. صباح زعما ديال كورونا ديال قلت لهم باس سي امبوسيبل رانا على زون بوتياج مع الطريق مع سميتو سي جوست با بوسيبل بغينا ناخذ اوبر حتى هو اوبر سي با بوسيبل زعما غتمشي غتبقى راسك تبقى بيرد بريسك 1h30 في الطريق وديك الساعات زعما سي شي ليميت ليميت دونك فينالمون اون سي جيري ولكن بقينا نجري ونجري ونجري وخدينا الديالار في واحد التخان في واحد الديالار Donc on s'est débrouillé alhamdoulillah mais vraiment j'ai des les grèves de dernière minute je déteste surtout que hier j'ai checké et je pensais que les grèves c'était le 16 alors que c'est pour le 15 donc bon d'abord on a fait une station on attend le train finalement on est venu un petit peu à l'avance donc d'abord on a le train à DG et London to Manchester c'est que 2 heures donc c'est cool c'est pas comme avec le Mara Scotland c'est vraiment 4 heures ou les 5 heures de train ولكن والي والو heureusement qu'on a pris les cafés حيت ما كانش حتى On va pas rater ça. J'étais un petit peu stressée là où il y a le wifi. Le train il est un petit peu vieux, la vérité. Mais j'étais avec les gens du train. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est dommage. Le train il est pas waouh. Mais c'est pas grave parce que c'est juste 2-hour trip, so it's okay. Il m'a fait là les chargeurs, là genre un petit kiosque finch le kawa. Là c'est si chargeur genre les d'habitude il y a dans les trains. Les longues distances parce que quand même au train c'est 2 heures mais moi j'assure quand même la distance en gros d'air je vois here we are après je sais pas si je pourrais filmer parce qu'il y aura sûrement quelqu'un qui va venir à côté de moi et du coup ça fait j'espère que vous allez aimer le petit vlog I'm excited because I've never been to Manchester it's gonna be my first time voyez voyez De ton côté, je trouve mon côté qui est derrière. Mais j'ai tout à l'heure, j'ai remarqué. The wide doors. Là, on vient de déposer nos affaires à l'hôtel et on va aller vers City Center. On est là que pour 2 jours, donc on va pas faire les musées et genre tout ce qu'il y a à faire. Ça va, je pourrais aller pour voir un petit peu la ville, genre in a nutshell. So now we're heading, but in short, je pense que we need to have lunch. Donc, guys, il y a un truc très drôle. C'est que Manchester, le plat belge maroufin, c'est curry three ways, comme ça, mais genre en gros c'est un plat indien. Et je crois que c'est parce que there's a lot of Indian in the UK, mais genre vraiment Manchester, they're like, you can't come to Manchester, au mois de janvier, je sais le curry d'yellow. On va voir si on va trouver, mais... Ouais, j'aurais aimé qu'ils mettent
des crevettes genre au dessus ou là. Another day in Manchester. Aujourd'hui, on est à Piccadilly Gardens. C'est juste au centre de la ville. Et ce soir, on a pris un petit tour. Je vous ai pris en photo. Et le beurre, on est parti faire un coin sympa. On a mangé indien. C'était très bon. Mais c'était très épicé. En fait, je me sens ça la spicy. En fait, je mets spicy et je mets du piment dans tout ce que je mange. Mais au moins, c'était vraiment genre next level spicy. Genre double crème chicken, vraiment hard. Mais c'était bon. Donc, Yuma, on est là. Je vais vous montrer le jour. Khaïb Zarna, on est venu avec un jour. Vraiment, khazr. Mais bon. Malheureusement, la place est en Marofa. Il la renouvelle. Donc, il y a une rénovation. Donc, je vais vous dire, je suis pas in love with the city. Je vais vous dire, j'ai pas trouvé que c'était la plus belle des villes que j'ai visitées en Angleterre. Et ça, Cambridge et Oxford, ils ont beaucoup de charme. Elle dit, c'est une ville qui est connue pour l'industrialisation de là, au textile, à l'époque, c'était l'une des plus grandes villes où ils vivaient en fait, c'est de l'industrialisation. Et moi, ouais, je trouve que c'est bien, mais que c'est pas. Ça manque de charme pour moi. Yo guys, last day in Manchester et c'est aujourd'hui qu'il fait enfin beau. Genre, ouais, je suis ça fait toujours hyper joli. Et c'est la ville indienne, vraiment. Genre, le verre que comme il faisait hyper gris, jour, mais je voulais filer une belle parce que je suis vraiment, je vais tenir de la réelle de Zenna. Regardez, on a une douzaine de nanas, mais on a un centre trop. Et je vais vous montrer où on est, qu'on a fait la petite pelle, une chapelle, un dôme, c'est une chapelle. Et voilà.
هنايا دايرين ميموريال ديال واحد لي كومباتون، يعني عندهم بارتو في لافيل كيديروا لهم بحال هكا كيكتبوا سميتهم هذوك لي شحال هادي دي فوت. هذا لو دوزيام باتاليون، صراحه جو سي با سي في انا وار و في انا زعما وات تايم، مي سي هيبر بون. On a pris fort, on a pris des toasts avec scrambled eggs, mais de la vraie parmesan. واحد زيت عندهم زوينة بتروف لا تروف. J'ai trop aimé le cadre, vraiment trop sympa. هنايا في مانشستر اون فوا بلوس تما يلاه كتعجبك في الانجلي كثر من لندن، باسكو لندن هي كثير كثير بصح كتمشي في لندن تبوا بوكو، كاين نوت كاين ليزافريكان كاين لي ماكيبان كاين لا دو تو، ولكن بحال هنايا كنشوفو فريمون لي انجلش بيبول مور اند مور. Yo guys, on a mangé et d'abord on est à côté de Manchester Cathedral. Apparemment, c'est très bien. On m'a dit que c'était genre une fois que ça a été érigé. Et je pense, normally you can visit for free. Ok, là, you can visit for free. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer. Mais c'est vrai qu'on tue le temps parce qu'on a le train tel, le 5 de l'échir. Et il y a vraiment le jour de suite. On va pouvoir commencer la semaine à Inouch. Ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir que ce jour de suite dans le UK. Donc on profite, on marche un petit peu à l'abra. On va faire un tout petit peu, mais de réagir ce jour. Les amis, on a l'hôtel, on a pris nos valises, on a un petit café, on a un petit café, on a finalement on a visité la cathédrale de Riyad, c'était, it was free to visit, vraiment, c'est rare, mais c'est une cathédrale qui est allée prendre le temps, genre ça nous a pris 15 minutes, c'est rare ou sympa ou zouina, c'est une cathédrale qui est importante aussi, on a à Manchester, quand j'ai été le Queen, ou en 2021, j'ai été le Queen, on visitait ça, on a été le temps de la cathédrale, ou Manchester, une ville qui est surtout معروفة بالفوتبول، يعني vraiment عندهم la culture du football. هنايا
لي ميزي دو فوتبول ولي شوبس تاع داكشي لي زاكسسوار ديال لي فان لي سوبورتير وسميتو وخلاص ستاد ومهم عندهم لا كولتور دو فوت هنايا انا جو سوي با تري فوت دونك دوكو ما درناش داك لي زاكتيفيتي ديال زعما مانشستر لي جيتويا باسكو نديرو داك لي زاكتيفيتي ديال لو فوت لي كيعجبو الفوت مي سا ريست كان ميم اون فيل زعما لي معروفه في اليوكي نقول لكم زعما عجبتني بزاف شويه زعما ماشي خايبه وماشي هي فيل زوينه بيان سور ماكاينش شي فيل خايبه ولكن زعما جو تروف كو يا دي فيل في اليوكي اللي عندهم بلوس دو شارم بحال كامبريدج بحال اوكسفورد ميم بحال برايتون زعما سي دي بيتي فيل سي فري صغار في لا طاي ولكن فريمون كتحس بهم عندهم هذيك لا بيتي توش ديالهم هادي تو سون لا فيل الي فريمون تري اندستريال حيت هي اصلا كانت معروفه ب لاندستريالايزاسيون والتكستيل دونك فوالا زعما ات واز ا ماست دو اون ا فيزيتي الحمد لله دونك سا سيتي ان بيتي فلوج جيسبر كو فوز افي ايمي et aussi c'est je pense là ce vlog les rendre قبل رمضان donc inchallah la prochaine fois que je rendrai des vlogs avec رمضان donc je voulais saisir l'occasion باش نقول لكم عواشركم مبروكه يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه ولا سانتي surtout وحتى حاجه ما كتستاهل vraiment un petit message حتى حاجه ما كتستاهل انكم تعذبوا راسكم عليها زعما تبقاو vous torturer l'esprit بزاف franchement اي حاجه راه كدوز وديتو اي حاجه راه vraiment كتجي واحد الفتره اللي ميم if you feel low راه will go was called through a deep book what matters is how you dealt with it so anyway anyhow j'espère que vous avez aimé le vlog et see you inshallah for next vlogs I'm gonna share lots of them even during ramadan je sais que surtout les filles genre a lot of girls want to know that message which men to not gain weight during ramadan or to even lose weight so I'm gonna try to make videos of your skin et n'oubliez pas bien sûr de subscribe de comment et de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo and see you in the next one